Anderlecht n'y était pas en début de première mi-temps. Après seulement 3 minutes de jeu, Kosiman devait déjà sortir le grand jeu face à Stoker. 3 minutes plus tard, l'arbitre accordait un penalty au Genkois, suite à un léger contact entre Tolo et Zanka. Mais le gardien anderlechtois était en feu et stoppait l'envoi de Stoker ainsi que le deuxième ballon. Finalement, c'est dans son moins bon moment de la première période que les Genkois ouvraient la marque. Sur un coup de coin botté par Stoker au premier poteau, Heinen déviait le ballon au petit rectangle vers Sadik, qui plaçait le ballon dans le but via son épaule, 0 à 1 à la 37e minute. En fin de première période, Kosiman sortit encore son arrêt de grande classe face à Tolo. Merci pour votre écoute.